Hey tout le monde, c'est Orcollection, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc l'unboxing d'un costume de Scream. Donc bien sûr ce n'est pas une robe de chez Public Enemy Studio, tout simplement parce que je n'ai payé que 130 euros, frais de port inclus. Donc le vendeur m'a dit que c'était le même tissu utilisé, hein, donc du Sparkle. Donc pour 130 euros ça m'étonne rien, donc j'ai vu quelques photos du costume. Donc ça a l'air pas mal hein, pour le prix. Et on verra bien ça tout de suite. Donc le vendeur m'a dit que le costume faisait avait une taille de 1m80 et il savait pas si un adulte pourrait le porter. Donc on verra bien s'il me va. Donc bon bah je l'ai acheté en France, donc il est arrivé assez vite. Je l'ai reçu en je sais pas en 2-3 jours, ouais, voilà. Alors bon, ça va déjà, il est sous plastique à l'intérieur et je galère à ouvrir la boîte. Voilà, la technique pour ouvrir un colissimo. On va faire attention quand même. Ah ben voilà. Ça a l'air pas mal. Donc bien sûr après je ne connais pas vraiment en costume de Scream, hein. Donc à part les costumes faits par donc le Fun World, la normale des costumes officiels, jamais eu d'autres costumes. Donc déjà je suis sûr que c'est largement mieux, hein. Et donc vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Putain, il y a de la saleté dessus. Putain, il est sale ça. Ouais non ça va en fait, ouais. Bon, le costume, voilà, il est brillant, normal. Enfin voilà, je ne connais pas du tout en tissu là. C'est pas désagréable. Ok, donc voilà, là, la capuche, hein, voilà, normal. Donc, à scratch. Je pense que c'est normal, ouais. Comme dans les films. Donc ok, on a le bas, voilà, normal. Au niveau des bras, on a ah voilà, donc on a des gants qui sont bah, accrochés voilà au costume, donc, je pense que voilà, ça va être normal. Après, est-ce que c'est comme ça que je m'attendais? Non, c'est pas comme ça que je m'attendais. Je pense que les PS sont largement de meilleure qualité, hein, d'après ce que je vois. Hein, mais vous me direz. Donc, ouais, le costume est assez grand, ouais, quand même. Donc, là, pour 1m65, ça va être génial. Bon, de toute façon, là, c'est assez dur de vous montrer comme ça. Donc, j'ai fait bah, normalement une vidéo test. Hein, on espère que le costume m'aille bien. Apparemment, il va s'adapter à ma taille, hein, mais bon, on verra bien. Bon bref, c'était Orcollection, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et on se retrouve pour la vidéo test.